Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом минус 0.5 градусов, то есть минус полградуса. И сейчас идет утреннее шоу, и тема отношение кибекуа к монархии. В связи с того, что мы недавно говорили по поводу генерал-губернатора, по поводу монархии, послушайте, так сказать, вести с полей. Думаю, вам будет интересно. Étaient entichés de la famille royale et de la reine en particulier. Et j'avais raison. Mm-hmm. C'était un des plus gros succès magazine au Canada. Tu vois? Alors, tu vois, quand ils viennent nous visiter, on est bien contents de la visite pareille. Écoute, t'sais? Moi, je me souviens quand le William et Kate sont venus à Montréal et sont allés à la... comment ça s'appelle donc? L'Institut d'hôtellerie. Oui, à l'ITHQ. Ils sont allés faire un peu de cuisine, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle de certains de mes collègues là, qui avaient les yeux grands comme des cinquantaines, puis un peu genre groupie face à William ou à Kate. Donc, il y a quand même là-dedans un côté émotif qui peut être positif ou négatif. Mais mon point de vue, moi, c'est pas de défendre la monarchie, la famille royale. Je m'en tartine. Ça, pour moi, c'est un divertissement. Mais c'est une forme de gouvernement d'organisation constitutionnelle qui n'est pas inintéressante à notre époque. Parce que à notre époque où rien n'est stable, la monarchie constitutionnelle, c'est une stabilité à peu près garantie. Et pour un chef d'État qui ne décide rien, mais qui... Parce que la reine ne décide rien. Elle règne. Qu'est-ce que c'est régner? Bon, elle signe les projets de loi, ces choses-là, un peu comme la gouverneure générale. Mais c'est pas quelqu'un qui va décider, bon, ben, demain matin au Québec, on va fermer les écoles françaises. Ouais, tu comprends? Ça marche pas comme ça. Et une chose, moi, que je trouve intéressante, comme, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas, mais c'est intéressant. Si tu fais la liste des 10 pays, à peu près, là, les plus progressifs, disons, dans le monde occidental, la très grande majorité sont des monarchies constitutionnelles. Tu penses au Danemark, par exemple? Le Danemark, la Suède, la Finlande. La Norvège, pas la Finlande. Les Pays-Bas, l'Espagne, le Japon, qui est la plus vieille monarchie au monde. Il y a quand même, c'est pas nécessairement un signe de ringardise, mm-hmm, ou de ça fait mal à ma démocratie. Ouais, mais c'est certainement un signe de pièce, en tout cas, et ça... C'est quoi, Isabelle? C'est que si tu enlèves la monarchie, tu vas la remplacer par quelque chose d'autre, ça prend un chef d'État. On a un premier ministre. Premier ministre, c'est pas un chef d'État. Alors, tu peux avoir comme le président américain, mais on a vu récemment la limite de la démocratie américaine, parce que quand Trump faisait des niaiseries, il y en a combien qui se sont dit, mais coudonc, il doit avoir un boss qui peut y parler. Or, la réponse, c'est non. Au-dessus de lui, il n'y a rien. Oui, mais tu nous as dit que de toute façon, c'est un gouvernement qui décide pas, puis on a bien vu. Penses-tu que Julie Payette appelait Justin Trudeau pour le remettre à l'ordre? Non. J'aimerais entendre Jean-Pierre Charbonneau là-dessus, parce que Jean-Pierre est diamétralement opposé à ce que vient de dire Lise Ravary. Donc, Jean-Pierre, toi, ça fait longtemps que tu dis que c'est ça, cette affaire-là, que la monarchie, qu'on se débarrasse de ça. Je trouvais ça un peu invraisemblable, l'argumentation de Lise. Franchement, Lise, la monarchie constitutionnelle, c'est pas la monarchie qui donne la stabilité, c'est le système politique qui donne la stabilité. On peut avoir, comme en Israël, un président par-dessus le premier ministre qui fait exactement ce que la reine d'Angleterre fait au Canada. On peut avoir une république, véritable république, où le chef d'État est élu. En France, c'est un président qui est élu. Donc, quand on parle d'une démocratie, parce que c'est ça la question, c'est qu'on est en démocratie représentative, ce sont les représentants du peuple qui devraient avoir la légitimité totale. Et là, nous, on a deux anachronismes. On a une monarchie qui
qui chapeaute notre démocratie représentative. Et en plus, on a une monarchie qui appartient à d'autres. Autrement dit, c'est pas un Canadien là, qui est monarque au Canada. C'est une citoyenne anglaise. C'est la première femme de la Grande-Bretagne qui est notre monarque. Il y a quelque chose de complètement aberrant. Et moi, quand j'étais député, à chaque reprise, pendant les 6 fois où j'ai été élu député, il a fallu que je prête serment à Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et on peut bien dire que c'est aussi la Reine du Canada, la Reine d'Australie, mais en bout de piste, là, elle n'est pas native d'ici, c'est pas une femme d'ici, c'est une femme d'outre-Atlantique. Et tout ce raisonnement où on pense que, comme je l'ai dit, que c'est une stabilité, il y a des stabilités dans les républiques également, puis il y a des instabilités aussi dans des monarchies. On a juste à penser à la Thaïlande et puis à quelques autres aussi. Là. Donc, c'est pas le fait qu'on ait un monarque. Mais c'est l'anachronisme entre le fait d'avoir une monarchie dans une situation où la démocratie voudrait que c'est le peuple qui ait le dernier mot. Ouais. Et d'ailleurs, on va entendre du peuple, Jean-Pierre, parce qu'on a des auditeurs qui veulent intervenir là-dessus. Dans la grande région de Montréal, je vous rappelle notre numéro pour nous joindre, 514-790-9850. Dites-moi si vous êtes d'avis qu'on devrait l'abolir, la monarchie au Canada. Si vous êtes d'avis que oui, après on va voir, est-ce que c'est véritablement possible sans rouvrir la fameuse Constitution canadienne, puis on sait que c'est pas facile de la rouvrir, puis que l'expérience nous a prouvé que souvent le Québec était mis de côté dans ce cas-là, fait que c'est pas parce qu'on le veut que ça va arriver. Vous pouvez me joindre également de l'extérieur de Montréal en faisant le 1-866-790-9850. On a justement Daniel, un auditeur, qui nous appelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Comment vous voyez ça, vous? Ben moi, Isabelle, je félicite M. Charbonneau, puis c'est un monsieur que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de respect. Je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup d'années de retard. Lorsque les Américains ont déclaré l'indépendance des pères fondateurs pour se dissocier de l'Angleterre, on aurait dû suivre quelques années ou peut-être dans le même mouvement, peut-être un petit peu après parce que le développement était moins important qu'aux États-Unis. Mais par contre, moi, je vois aucun intérêt à être sous le joug du gouvernement de l'Angleterre. Mm-hmm. Et puis, il y a des dépenses qui sont effrayantes. Écoutez, faites juste vous mémoriser le nombre de lieutenants-gouverneurs qui ont été nommés, les pensions, les comptes de dépenses et tout ce que vous voudrez. Isabelle, j'en dirai pas plus long. Ça me fait du bien de vous parler. Bon, ben, tant mieux, parce que d'ailleurs, vous parlez des coûts, puis vous avez raison. Le bureau d'enquête Journal de Montréal disait la semaine dernière, ils avaient fait des calculs, puis ils estimaient que c'était plus de 60 millions de dollars par année que nous coûtait la monarchie. Mais là-dessus, à la défense de la reine, j'ai envie de dire, c'est pas tellement la reine qui nous coûte cher que le poste de gouverneur général qui dépense 55 millions à peu près par année sur le 67. Ça fait que c'est quand même... C'est le train de vie de ces personnes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, j'ai envie de dire. Tu deviens gouverneur général puis soudainement, t'oublies que t'es aux frais des contribuables. Je la comprends pas, celle-là. Il me semble que tu pourrais faire œuvre utile. Il y en a qui ont trouvé que la job était plate. Apparemment, c'est sûr que c'est pas comme aller dans l'espace. Mais tu peux y trouver ton bonheur aussi. Il y a tellement de belles causes qui pourraient avoir le soutien, l'aval de la reine et de sa gouverneure ici. Il me semble que c'était pas l'ouvrage qui manquait. T'sais. Mais ça, c'est moi. Bon, on a Benoît qui nous appelle. Bonjour, Benoît. Oui, bonjour. Alors, effectivement, il faudrait se débarrasser de la monarchie. Le problème, c'est pas Mme Payette, c'est le poste en général. Parce qu'on dirait que l'attitude, elle change. Il y a eu l'autre Mme Payette, on n'en parlera pas. Il y a eu Michaël Jean aussi, madame, là, la princesse, comme on a chaud, ces choses-là. Mais il y a le poste, les gens, là, ils pensent, ah, ben, c'est juste un poste, une personne. Non, il y en a plusieurs au Canada. Puis aussi, nous, en cause de la reine, on fait partie aussi du pays du Commonwealth. Ça nous coûte 8 à 10 millions par année, de quoi de même, puis je pense qu'il y a une rencontre à toutes les 2 ans. Ça, c'est une autre belle chose aussi qui est inutile. Puis le compte de dépenses, là,
quand ils sont rendus comme Michael Jean, qui est à Haïti, faire des bonnes œuvres, des choses comme ça, le Canada, là, on donne déjà. On donne, il y a des pays pauvres, ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir une vedette qui va là-bas dire « Regardez comment je suis la sauveuse, je viens sauver tout le monde à Haïti sur les frais du Canada. » Non, regarde, on en donne déjà de l'argent, puis on n'a pas besoin de faire... Quand tu donnes, là, t'as pas besoin d'avoir l'air de la vedette et dire « Regardez tout le monde que je viens de donner. » Tu le fais parce que t'as besoin de le faire, puis c'est une nécessité. Mais eux autres, c'est comme, c'est des vedettes inutiles, là. Ouais. Fait que, oui, effectivement, on devrait se débarrasser de tout ça, sortir du Commonwealth. On est rendu, on est censé être un pays souverain, Canada. Ouais. Puis là, on est encore, là, ils disent, les gens sont contents quand la reine vient, ou la reine, ou n'importe quel autre de la monarchie, au prix que ça coûte aux contribuables. Faites juste faire un référendum une fois pour toutes là-dessus au Canada pour régler le problème, si on devrait abolir tout ça. Puis en même temps, qu'ils demandent l'opinion à tout le monde au Canada quand que le pape vient, s'ils sont contents de payer au-delà d'un million pour que le pape vienne se prendre des vues. En fait, ce que vous dites, Benoît, c'est que la visite qui coûte cher, on la veut pas. Finalement, c'est ça qu'il nous dit, Benoît. Est-ce qu'on parle à Marcel tout de suite? Ben, Marcel, lui, il a d'autres arguments. Il serait plutôt en faveur. Fait qu'on va lui parler après la pause. On va revenir avec nos invités également, Jean-Pierre Charbonneau, Lise Ravary. Jean-Pierre va nous dire, puis Lise aussi, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on puisse abolir ce poste-là, abolir la monarchie au Canada? Il y a des façons de faire. On peut pas décider ça du jour au lendemain, là, quand même. Donc, on revient avec vos commentaires tout de suite après ceci. 514-790-9850 1-866-790-9850 98.5 Circulation. Il est 11h19, moins 1 degré, centre-ville, Marc Fortin, au centre de surveillance. Ça va bien, très, très bien, le réseau. La rive sud, c'est beau. Deux endroits où il faut se méfier quand même. La 104, la 132, bassin de la Prairie, la 10, certains tronçons aussi. Ça peut être glissant. Jusqu'au 3 février, profitez des jours de points PC Optimum avec plus de points tout partout. Consultez l'appli pour les détails. Le goût de plus des restrictions s'applique. Votre courtier veut 5 % de commission pour vendre votre maison. Aïe aïe! Mettez donc plus de votre argent dans vos poches avec le forfait de courtage à commission fixe exclusif de Fiximo. Fiximo, on l'a l'affaire. Pour sauver de l'argent, visitez plusdansmespoches.com. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Pour tout savoir sur votre communauté, suivez l'actualité régionale avec des émissions qui vous concernent. TVRS, votre télévision sur la rive sud. Disponible sur la chaîne Élix 9 ou 609 de Vidéotron. Salut, moi c'est Henri et je prends de l'insuline pour traiter mon diabète de type 2. Je croyais que la transpiration abondante et le fait de me sentir faible et irrité résultaient simplement de mon traitement, mais j'avoue que ça commençait à être pénible au quotidien. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit que ma glycémie était trop basse. On a décidé ensemble de rajuster mon traitement à l'insuline pour tenter d'améliorer la situation. Si vous prenez de l'insuline et présentez des symptômes semblables, passez à l'action. Ça vaut la peine de consulter un professionnel de la santé et de visiter hypoinfo.ca pour en savoir davantage. Le groupe Lepelco tient à remercier tous les travailleurs de la santé pour leur contribution exceptionnelle envers les Québécois. Comme dans notre domaine, celui de l'assurance, c'est toujours rassurant de pouvoir compter sur du personnel dévoué qui nous traite aux petits soins. Votre courtier Mère Poule est avec vous de tout cœur et vous encourage à poursuivre votre vocation. Le groupe Lepelco vous remercie d'être de véritables anges gardiens, jour et nuit. Soyez fiers du rôle si important que vous portez. Sincèrement, merci. Au 98.5 Montréal, vous avez des opinions. Isabelle veut les entendre. Voici Isabelle. Il y a Denis qui me dit, je serais bien curieux, moi, de savoir c'est qui veut encore de la monarchie au Canada. Il y avait un auditeur tout à l'heure qui disait, il faudrait faire un référendum. Quelqu'un m'écrit, ben moi, je viens de Vancouver, puis à Vancouver, il passerait pas ce référendum-là. Donc, voyez-vous, c'est pas aussi évident qu'on l'aimerait. Au Québec, nous, on semble être assez écœurés là, de la monarchie, puisque si on se fie au sondage léger, à la vue de ces coûts importants là, du poste de gouverneur général, les gens me disent aussi quand ils visitent, la royauté visite, ça nous coûte un bras. Bref, Marcel, vous dites, j'aime ma reine.
Oui, j'aime ma reine. Mais ça, ce que j'entends derrière de ça, ce sont les souverainistes. Ils ont tout le temps peur des Anglais. On dirait qu'ils se mettent à frémir quand les Anglais sont là. Moi, j'aime la reine d'Angleterre. J'aime le pays, le Canada. Je suis sûr d'une affaire que si les Québécois réussiraient à se séparer du Canada, ils finiraient par couper le Québec en deux parce qu'ils ont peur. Ils ont assez peur quand ça parle anglais, qu'il y a de l'Angleterre ou qu'il y a de l'anglais Ontario. C'est effrayant, c'est une frénésie. La reine d'Angleterre, c'est un beau décorum. On fait partie d'un beau pays. On fait partie du Commonwealth. Je trouve ça bien. Ça vient avec beau, pour vous. Ça a beaucoup de place. Puis j'adore d'être en arrière de la reine. Merci beaucoup, Marcel. Merci bien. Philippe, vous êtes d'accord? Vous aussi, vous gardez la reine? Oui, Isabelle. Je pense que la reine joue le rôle de... Comme l'a écrit le constitutionnaliste Walter Bagehot, l'État se divise en deux fonctions, la fonction de la dignité de l'État puis la fonction de l'efficacité de l'État. Puis la reine, elle garde les ambitieux, les personnes qui crèvent le pouvoir, qui sont les politiciens, elle les tient un peu, elle doit garder un certain degré d'humilité à cause de la dignité qu'elle doit maintenir. Ouais. Pour moi, ça c'est... Mais je sais qu'elle a de la misère à gérer sa famille quand même. Je ne sais pas si elle serait capable de gérer les différentes... des opinions au pays, parce que déjà dans la famille royale, on a pu voir au cours des derniers mois, des dernières années, qu'il y avait certaines difficultés à se gérer eux-mêmes. Mais bon, toutes les familles ont des problèmes, fait qu'on veut pas être plus critique qu'il faut là-dessus. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des coûts. Il y a aussi ce que ça veut dire comme symbole, la question de savoir est-ce qu'on pourrait abolir la monarchie, parce que c'est bien beau de dire ouais, moi je suis écœurée, ou je l'aime, je veux la garder, la reine. C'est pas tant la reine que le symbole même de la monarchie, Jean-Pierre Charbonneau. Comment on pourrait le faire, là? Est-ce que c'est d'abord réaliste de dire ben le Canada peut se détacher de oui, ça? Oui, il y a d'autres pays du Commonwealth qui l'ont fait. Il s'agit d'avoir la volonté politique de le faire. Et ça, c'est par exemple, si le gouvernement fédéral s'entendait avec les gouvernements des provinces, il pourrait décider de le faire. Il pourrait même faire un référendum pour donner encore plus de poids à ce choix-là. Et encore une fois, écoutez, le monsieur là, qui était un fan de la reine, moi, j'aime bien la série The Crown, je trouve ça intéressant, mais au-delà de ça, encore une fois, il y a un anachronisme. À la limite, si on en veut une monarchie, qu'on en ait une monarchie canadienne, le colon, là, nous sommes, on est des colons qui subissons le colonialisme et l'impérialisme. Colons ou on est des colonisés? On est des colonisés des fois on se comporte comme des colons, mais c'est des colonisés, l'expression. Mais encore une fois, qui est souverain au Canada? Le peuple ou une seule personne qui est de l'Angleterre? Parce que la souveraineté, c'est ça. Quand moi, j'ai été obligé, à 6 reprises encore une fois, de prêter serment, pourquoi je suis obligé de prêter serment à quelqu'un d'un autre pays? Je pense que les nouveaux Canadiens, là, ceux qui prêtent qui prêtent serment, moi, je me souviens, je l'ai fait quand j'avais 14 ans, j'ai prêté serment à la reine. Bon, ben oui. Quand je suis devenue canadienne, officiellement canadienne, mais et ceux qui arrivent, même chose, les immigrants là, qui deviennent... Canadien, c'est sûr. Mais ça, c'est un symbole. Sujets, sa majesté, des sujets. Sujet, là, c'est pas être souverain. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Il y a un anachronisme, une espèce de contradiction, un paradoxe. Mais pour ça, Jean-Pierre, il faut rouvrir la Constitution, donc. Rouvrir la Constitution canadienne. On a la volonté de le faire. On peut le faire. On pourrait le faire. Il faut avoir la volonté de le faire. Lise Ravary, toi qui es bien branché sur le RUSC, le Rest of Canada, entre autres, les Ontariens, eux, ça ne les dérange pas trop de payer pour ça. Il y a des gens qui sont contre, mais il n'y a pas le même sentiment, puis c'est normal. Ben oui. L'identité n'est pas la même. Il y a quand même des attaches émotives avec l'Angleterre. Mais le Canada d'aujourd'hui, puis le Canada, par exemple, des années 50, c'est plus la même chose. Mm-hmm. Et une chose qu'on aurait remarqué, j'ai lu là-dessus, que les nouveaux arrivants, les immigrants au Canada, viennent beaucoup de pays du Commonwealth, que ce soit le Pakistan, etc. Et eux sont très attachés à la reine. Alors, on est en train de refaire le plein, si on peut dire, à travers une partie de l'immigration, pour un appui à la famille royale britannique, parce que ces gens-là l'appuyaient chez eux, puis
l'amènent avec eux. Mais changer un système politique, tu ne changes pas un système parce que ça coûte de l'argent. Tu changes parce que tu penses que tu peux avoir beaucoup mieux et beaucoup mieux pour le peuple. L'argent, c'est pas que c'est secondaire, mais c'est pas une bonne raison pour le faire. Non, mais l'utilité de ce système, c'est intéressant de se poser la question. Oui, mais attends, toi qui as des antennes européennes, combien ça coûte la présidence française? Mais là, tu me demandes-tu le chiffre pour vrai? Non, je sais que t'as pas le chiffre. Ouais. Ça coûte bien plus. Non, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même système du tout. C'est pas le même système. Le président français est le chef du gouvernement français. Il décide. Après, il y a son premier ministre qui est comme... Tu comprends? Mais c'est pas du tout la même affaire. Ça prend un chef d'État. C'est ça que tu as raison. Ça prend un chef d'État. Alors, quel genre de chef d'État? Quel genre de... Mais nous, c'est le premier ministre du Canada qu'on a décidé qui était le chef d'État. C'est lui qui décide. Le chef d'État, c'est la reine. Oui, je sais, mais je veux dire, dans les fêtes, la reine, là, elle décide de rien, Lise. Ah ben non, elle décide de rien, absolument pas, on voudrait pas non plus. À part la couleur du chapeau qu'elle va porter demain, c'est la seule affaire qui décide. Sûr, même pas sûr que c'est elle qui décide ça. Ouais, fait que, tu vois, donc... Je peux juste dire que c'est quand même une femme assez spéciale. Elle est fabuleuse. Elle avait 14 ans. Fabuleuse. Qui a toujours fait son devoir. Mais ça veut pas dire qu'elle doit être la reine des Canadiens. Ouais, ouais, ouais. En plus, en même temps, j'ai l'impression que notre réaction épidermique en sondage, puis là, on l'entend bien, les gens, là. Il y a Pierre, d'ailleurs, qui nous appelle. On me dit qu'il est parti. On en a d'autres, par exemple. François, bonjour, François. Bonjour. On vous écoute là-dessus. Vous êtes pour ou contre la monarchie? Ben, contre, puis il y a une partie du respect du Canada qui est contre aussi. Les Albertains, là, c'est des séparatistes, savez-vous? Ça fait longtemps qu'ils s'en vendent, eux autres, ils sont à peu près Ну, в общем, вот такая интересная передача, на самом деле. Самый главный тезис, что за то, чтобы монархию сохранить, это то, что монархия – это стабильность, это форма правления, это возможность выполнения третейского судьи в случае, если возникают какие-то политические кризисы, и, соответственно, монархия – это символ стабильности, да, скажем так, это то, что неизменно, то, что людей вселяет уверенность, что завтра будет то же самое, что и сегодня, что все будет стабильно и хорошо. Значит, аргументы против, что монархии не живут в Канаде. Как они могут понимать Канаду, как они могут рассчитывать на лояльность людей, если они не являются людьми, которые живут интересами этой страны. Значит, стоимость аппарата монархии 60 миллионов долларов в год. Значит, что еще против? Что, если мы говорим про Квебек, Квебек категорически против, большинство людей против монархии, потому что, значит, это признак того, что мы являемся колонией, значит, хотя мы, по идее, независимая страна. И, соответственно, это старая история по поводу того, что именно англичане захватили Францию, французов. Да, напоминаю вам, что вся Канада, большая ее часть, значит, это была Нувель-Франс, провинция, как бы территория, которая была захвачена сначала французами, колонизирована французами, а потом англичане, собственно, захватили эту территорию. И, собственно, вот эта вот история с ненавистью, с нелюбовью, даже нет, ненависть слишком сильно, с нелюбовью, это история к монархии, это история, связанная как бы еще с историческим наследием. А при этом человек говорил, который звонил, что в Британской Колумбии ситуация ровно наоборот. В Британской Колумбии, наоборот, монархию любят и делиться, как бы расставаться с монархией не хотят. Ну, в общем, в двух словах как-то так, но на самом деле там куча интересных деталей. Я думаю, что те, кто французский знает, с интересом эту передачу послушали. Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока.